Bonjour. C'est le retour de The Rise of the Golden Idol. 4. Les tests. Alors, rappel de son souvenir, parce que là, je reprends après le lendemain, on va entrer le jeu. Donc, petit rappel. Là, nous avons à l'asile quelqu'un qui a tué qui se nomme normalement Auriel Toussaint. Il a tué quelqu'un dans l'asile. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Cependant, il y a eu des enquêtes comme quoi il y avait une malédiction envers certaines personnes qui avaient du coup les yeux rouges. Pourtant, ils n'ont pas de substance illicite dans leur corps, donc ils ne sont pas drogués. Par contre, ils sont atteints du même mal. Et il y a corruption, mais tout ça. De la poursuite, donc il y a une personne qui a tenté de récupérer des fragments de l'artefact de l'idole dorée de Lazarus du Lazarus Est du précédent jeu. Et on a créé une petite idole. Ici, donc ce sont des scientifiques qui ont pu récupérer cette statuette avec les bouts de l'idole dorée. Qui ont testé et qui ont pu finalement remarquer quelques effets de cette qui ont pu remarquer quels effets avaient ils ont pu tester quels effets avaient les pièces de l'idole dorée et notamment ce monsieur qui est devenu qui est Glanduman, mais que grâce à ces tests est devenu chef des des squads, si on peut faire ça comme ça. Et du coup, on reprend. Chef des squads scientifiques. Bienvenue dans l'avant-dernière partie, d'accord, chapitre 4, les tests. Dans laquelle ont lieu des découvertes époustouflantes. Ok, donc il y aura 4 chapitres. Des symboles. Transfert, d'accord. Mais il y aura 4 enquêtes. Donc au chapitre. Épouvante aviaire. Une attaque mortelle à la volière. Et c'est pas un pire, c'est un tyrannosaure ça. Il a des dents. Ok. 35 mots, 35 endroits, ça va. Donc, découvert un oiseau. Alors, rouge-gorge, son plumage coloré se nourrit des proies vivantes. Il a très acéré. Ok, c'est des trucs masqués. Aux pattes jaunes et en voie son statut de prédateur, il cache un tas de dents. Le héron, le rouge-gorge est connu pour... Ah d'accord, attends. Je suppose que... Voilà. Le héron rouge-gorge. Ce rouge-gorge est connu pour son plumage coloré et son tempérament agressif. Nourri de proies vivantes, il a des dents très acérées. Le coquelet masqué. Cet oiseau aux yeux globuleux et aux pattes jaunes est en voie de disparition. Malgré son statut de prédateur, extrêmement territorial, il cache un tas d'œufs dans les buissons. Ok. Et donc là, on a encore des noms. Alors, on va faire hop le. On va mettre les oiseaux ici, le héron Georges, le coquelet masqué. Le lori et le pétrel. Ok. Alors là, j'ai agonisant et nilatique. Zo est une pour intimider.
une tâche ardue, d'accord. Et si je regarde ça, le lori. Attends, il utilise ses plumes colorées pour intimider les prédateurs et ses proies. Ok, donc c'est le lori agonisant et le pétrel métallique. Pour intimider ses proies, hop, ses cris perçants imitent souvent le son et les mots qu'il a entendus récemment. Silence recommandé, car le simple fait de parler encouragera ses oiseaux. Alors le pétrel nitalique, ces créatures terrifiantes ont été découvertes dans la jungle où elles récupèrent des eaux dans leur environnement. Silence exigé, car les gros bruits provoqueront la panique chez ces créatures, les incitant à attaquer en déclenchant leur réflexe d'autodéfense. Ok. Guide des oiseaux de la volière de Morag. Alors Morag, c'est la volière, on va le mettre ici. Hop. S'occuper des oiseaux est une tâche ardue, mais en suivant ce guide, vous n'aurez aucune difficulté à vous occuper de nos amis à plumes. Le persefleur vaseux. Pas les oiseaux. C'est les oiseaux du truc de Morag. Le persefleur oiseau. Non, vaseux. Vaseux. Cet oiseau nerveux est connu pour son tempérament furieux. Le vaseux et peut réagir avec agressivité face aux couleurs vives. Évitez d'apporter des objets fluo dans l'enclos pour ne pas les stresser. Découvert oiseau. Oh, je suis désolé, Cran, je ne savais pas, Cran. Oh, voici là avec des symboles dessus. Découvert oiseau. Alors, incubateur, volière. L'homme ne respire plus et son cou saigne. L'OPI, j'ai formulaire des participants au test. Que chaque oiseau l'a stressé, d'accord. Alors en fait, ça a été une réaction en chaîne, je sens. Déclane, qu'avez-vous fait? Donc, c'est peut-être. Déclane, c'est peut-être ce monsieur. On peut aller là-bas et après il y a la volière. Ok, un incubateur avec des œufs. Oh. Avertissement, une surexposition à la chaleur de l'incubateur peut s'avérer fatale. Souvenez-vous toujours de surveiller régulièrement les œufs après les avoir placés dedans. D'accord. Pourquoi il avait promis de prendre soin de vous? L'oiseau est mort. Dur. Never trust on on chaleur. on va essayer de trouver les piafs. Donc pour moi celui qui a le bec le truc là. Moi, le vaseux, déjà, c'est le piaf qui a le bracelet fluo. Donc, c'est une sorte de toucan. Persefleur vaseux. Voilà. Ah, il y a quelque chose au pied. Ah, il a cassé. Il a marché sur des œufs.
Toi, c'est le bracelet hein, qui t'a stressé. En fait, si ça me dit que c'est découvert, c'est-à-dire que ça me spoil que c'est son nez, en fait. On va regarder c'est quoi les autres trucs. Il limite souvent les sons, donc lui, c'est celui qui fait les sons. Je suis désolé, je ne savais pas. Le lorry quelque chose. Hop, tac, tac. Empoisonnement. Bon. Le lorry. Agonisant. Ok. Je ne savais pas. Il est dans sa série, il n'y a que lui qui est dans la série, donc du coup le rouge-gorge, le héros rouge-gorge, c'est lui. Le héron rouge-gorge. Il me reste le coquelet masqué. Ça doit être lui avec les yeux. Et ensuite le pétrel métallique. Pas de jaune, c'est le seul qui est en pas de jaune, ok, donc c'est bien le masqué. Masqué ! Que les masqués. Toi, ce qui est pressé, c'est bien tes oeufs. Hein. Hop. Et ensuite. Hop. Du bas. Pétrel métallique, ouais. Le pétrel métallique. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Lui, il a pas aimé que ses œufs soient cassés. En fait, eux, ils ont réagi à cause du truc fluo. Ça l'a fait paniquer, du coup il a marché sur les œufs. Et du coup ils sont en mode oh non, sale bâtard. Lui en mode ah bah je ne savais pas, donc ça a provoqué lui. Sauf que eux ils ont crié et du coup ça a énervé eux. Ok. Continuons. Moore, Astor et Palmer. Nous avons Moore, Astor et Palme. À la personne qui a volé mon cœur. Ça a l'air d'être elle, hein. Ouais, donc ça a l'air d'être Moore, elle. Moore. Avec l'âne, c'est soit Astor, soit Palmer. Rendez-vous à 2h30. Venu à Volière de Morag, guide de nouvel employé. Et il a le même collier. Ça doit être Astor. Je suppose. Clan Astor. Et du coup, elle, ce serait Palmer. Et sur Palmer. Guide de voyage, bien sûr, pour former de nouveaux employés, d'accord. Et après, il y a les petits œufs. D'accord, donc c'est elle, c'est la chef Palmer. Hop. D'accord. Nous avons Crystal et Marcy. Merci encore d'avoir accepté de me remplacer à la station d'incubation des clans. On se voit après le déjeuner. Marcy. N, foot, 30 août, premier jour de vrai coup, forcément sécurisé, au courant adopté, pose DG de déclin, ok.
Débris. Morts. Peur. Nice. Complet. Descente d'os blanche. Pétrel. D'accord. Coquelet et pétrel. Il voulait nourrir les coquelets. Pétrel. Noir. Noir. Oiseau mort. C'est pour un bébé persifleur. Dès que les persifleurs. Ah. Quelle heure il est? Il est un peu avant 1h, donc il est midi. 40, on va dire à peu près. Et midi 40. Là, il sera en pause déjeuner, donc du coup, ça peut pas être lui. Du coup, c'est pendant la formation. On est bien le 29 août. Midi 40, c'est en train de. Voilà, c'était Marseille, mais c'est Déclan. Du coup, il a fait autre chose. Marseille, c'est vraiment la dame, du coup. Bien, très bien. Donc, tout ce qui s'est passé. Hop là. Donc, à la volière. Caché dans le buisson sur un tas d'œufs à marché. En représailles, le coquelet masqué a attaqué. Thor. Un écrit a été imité par. Agonisant, ce qui a pressé le persifleur oiseux, le pétrel métallique, qui a alors attaqué Déclan Astor. Ce temps-là, Déclan Astor est entré dans la volière où son bracelet a été volé par Persifleur Oiseau. Hein? Astor est allé. Il avait des graines. Attends, faut que je laisse tout. Non, je vais me perdre. Hop. Il avait des graines parce que lui, il voulait. C'est le coquelet. Vous voulez nourrir le coquelet. Donc, nourrir le coquelet. Et non, c'est à marcher sur un tas d'autres, donc sans représailles ou quoi que les masques à la télé. Ah, ok.
L'explosion avait surchauffé. Alors, qu'est-ce qui est faux? Marcy Palmer a pleuré. On va voir ça. Hein. À la volière, Marcy Palmer a pleuré lorsqu'elle a découvert un oignon. Lorsqu'un oignon avait surchauffé à la station d'incubation. Pendant ce temps-là, Declan Astor est entré dans l'air où son bracelet a été volé par le persifleur vaseux. Le persifleur vaseux, hein. C'est bien lui. Il a volé son bracelet après cet incident. Par après, Declan Astor est allé nourrir le coquelet massé. Heureusement, il a marché sur un tas d'œufs qui était caché dans le buisson. Donc, le coquelet, il a attaqué Declan Astor. Allô. Est-ce que vous êtes exactement sur le coquelet masqué? Qu'est-ce qu'ils imitent exactement les perroquets? Ok, bon. Il a stressé le pétrel mécanique. Parce que son dernier incubateur se possède, son allergien, son bracelet, non, son buisson, non, son tas d'œufs, non, son écrit, oui. Donc l'écrit, il a été quoi? Imité! Et il est mythique en face, c'est ce qui a stressé le pétrel métallique. Oui, c'est pour moi, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai de mal? Je suis trompé dans les pierres? Il avait du maïs.
C'est un bâtard, c'est-à-dire que des clans, il a buté les. Ça dépend. Est-ce que le bracelet pas son bracelet? J'aime pas ça. J'aime pas ces bracelets. En vrai, y a que lui qui a ça. Donc participation au test. Donc non, lui, il a fait les tests. Donc, c'est lui qui a. Ouais, c'est bien son bracelet. Hein. Ça m'énerve, c'est ouais le truc où ça me pose problème là. Et pour moi, c'est vraiment les bons piafs, hein. À le attaquer en français. En fait, pour savoir qui a. Autres. Ouais. Ça ouais. Est-ce que t'as marché sur l'oiseau, le cliff il a forcément attaqué, sûr. Il le coup de clé masqué a attaqué Déclanastor. J'espère depuis tout à l'heure je me trompe pas de prénom. Hein. Peur a pleuré lorsqu'elle a découvert qu'un oiseau avait surchauffé la station d'occupation. Ok. Pendant ce temps-là, Déclanastor est en train d'avoir l'air. Tout son bracelet a été volé par le Persefleur vaseux. Pas de soucis.
bien le cas. Hein. Bien vu le perso fleur, oui. Après cet incident, Declanastor est allé nourrir le coquet masqué et a marché sur un tas d'œufs qui était caché dans le buisson. Peut-être qu'il n'est pas allé le nourrir le coquet masqué. Mais c'est vrai que ça ressemble pas à du maïs. C'est jaune en tout cas. Peut-être que c'est pas du maïs et du coup on a le lori, on a le coquelet, on a le persefleur, on a les cendres, donc c'est peut-être le héron rouge-gorge. Hein. Non. Oui, il veut nourrir le coquelet masqué, bon. Il a marché sur un tas d'œufs. Il était caché dans le buisson. Ouais. Après, peut-être que lui, il est déjà jusqu'à le tuer. Pour vrai, lui, il l'a tué. Et en vrai, il, là, en ce moment-là, quand on regarde, en fait, ils attaquent l'autre. Hein. Et alors, ouais, voilà, en fait, attaquer Crystal Moore, c'est ça, en fait. My bad. Bon, ça va. Assez simple celui-là. Sympatoche. C'est un oiseau. Ornithorynque. Après cette portée volontaire pour subir un test pendant sa pause déjeuner, Declanastor, un nouvel employé à la volière de Morag, a oublié de sortir l'oisillon de l'incubateur, puis, alors qu'il essayait de nourrir le coquelet masqué. Il a marché sur son nid. Le coquelet a tué Duncan, ce qui a indirectement stressé les autres oiseaux. Ok. Agenda en recherche 2. Le sujet 37 ne s'est pas présenté à son rendez-vous de suivi. Chef de projet. Encore une ordure qui a pris l'argent et puis s'est envolé dans la nature. Agenda en recherche de possible. En tout cas, nous allons devoir nous débarrasser de ces données de recherche. Que fait-on du disque de données? Oh lolololololol. On va commencer à voir c'est quoi les trucs. Hein. Normalement, donc ça c'est donné. Hein. Ok. Next. Scène en coulisses. Tohu Bohu à l'heure de la variété Stardust. Ouais, sur scène. Alors, classement final. Ok. On a Monsieur Alde. Et on a Lily Bell. Oula. Il faut se calmer, hein. Elle a pas se précipiter sur la scène pendant mon numéro. Je ne leur niche pas pour longtemps. Vilmar. On pourrait dire à la petite danseuse que si j'ai changé son numéro, c'est seulement parce qu'on m'a, on m'a volé ma canette de soda. Bénéficiaire gagnant. Ok. Vilmar. Ça doit être un prénom, Vilmar. Ok. Tout Gésier Cam, c'est fragile. Je vais me mordre. Oh, le loup noir.
d'avoir le disque et maintenant un numéro de surprise. Cette compétition est truquée. J'ai effectué une valse parfaite. Attarve l'a remporté à l'OL, si vous n'êtes pas content, allez vous plaindre auprès de Mitchell le producteur. On a Mitchell le producteur, on a Attarve en prénom. Encore ordre des participants. Cameron Fake. Nicolas Rocco. Jamie Albite. Regina Littlemore. Vilmar Belmar Prado. Hop. Et Arta Reddy. Okay. Mitchell, c'est le producteur. On ne peut pas m'empêcher de remarquer que nous sommes en compétition avec une ancienne gagnante. Nous savons déjà que le juge aime son numéro, à moins qu'un incident se produise, sa victoire est quasiment assurée, nous devrons pas avoir tous la même chance de gagner. Cam. Un routeur. Accessoire ne pas toucher. D'accord. Oui, le bracelet, oui, t'inquiète. Je l'avais vu, mais je n'avais pas cliqué dessus. L'ami aurait volé la violette aux autres concurrents s'il avait pu utiliser des couteaux, mais bon. C'est un jour du contenu pour le bêtisier. Donc là, ça a l'air d'être un des participants. Jamie Albright. Note générale, le ventriloque et la magicienne m'ont tous les deux étonné, et pas la façon dont je m'y attendais. Passage amusant, vous l'étiez. Lily n'a pas montré le bout de son nez jusqu'au numéro de jongleur. Dysfonctionnement du disque, piston poisseux, crise nerf de la ballerine. Équipe de fonction de M. Regarde, peut-être Mitchell Brudin. Lily Belle, ma jolie, tu es arrivée un numéro trop tard, je vais tuer Vilmar, ça lui apprendra, j'aurais dû lui briser les os en plus de lui briser le cœur. Bébé. Quand même. Aucune arme sur le plateau. Un disque rayé de la forme ennuyeuse. Pas de variété, les gagnants des années passées. Ok, donc c'était elle, l'ancienne gagnante et tout. Notre présentateur, Dante Longo. Nous avons reçu une flopée de plaintes contre que nous autorisions. Les anciens gagnants appartiennent à l'heure de vérité, ça va être. Nous avons conscience que HVS est une compétition sans aucune possibilité de magouiller. Et quand on va verser une arme à ce sujet, libérons le plancher de la compétition de votre présentateur dans tel loco. Donc, visuellement, toi, t'as l'air d'être le présentateur. Donc, dans tes logos.
Il est où? Il est là. Dante Longo. Ensuite. What the... Il y a combien de... Lilibel, c'est le lapin. Lilibel, c'est le lapin. On va le mettre là. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7, 8. Ça peut pas être lui, le présentateur. C'est forcément lui. Et c'est Michel Jorguin. Le producteur. Ok. Vilmar. Cam. Il y a Cam, il y a Cameron. Donc la dame. Et Carmen Flake. Est-ce que t'as la liste est déjà là? Ah, c'est le ventriloque. Okay. Il est où? C'est celui qui l'a? Ah, mais elle est où la liste là que je l'avais vue? Non. C'est toi qui l'a. Ok. Ok. Chose intéressante, le jongleur. Alors, on sait que c'est le ventriloque qui est passé en premier. Ensuite, il y a la magicienne. Sachant que la magicienne n'a jamais eu son lapin. Que le jongleur est forcément plus tard que la magicienne, vu que le lapin a pointé son nez au niveau du jongleur. Donc là, c'est le ventriloque Cameron.
emplacement, quatrième. Le ventriloque. La ballerine. Deuxième, la magicienne. Le pose du loup hurlant. Donc, tout ça de musique, donc lui, c'est le musicien. C'est lui le roteur. Non, c'est présentateur forcément. Comment mon numéro donc. Toi t'es le jongleur. Qu'ils disent. Ici ils disent. Jusqu'au numéro du jongleur. On sait que la ballerine, la magicienne, le musicien. C'est le musicien, le blues du machin hurleur là. Que j'ai déjà mis. Monsieur Vlad. C'est lui, monsieur Vlad? Ça aurait gâché, il avait annoncé être un roteur. Donc on sait forcément que le ventriloque n'est pas arrivé premier. Peut-être qu'il rage. Parce qu'il a le seum déjà. Mais parce que. Ah oui, il avait annoncé que c'était un roteur, mais finalement, c'est il a pas roté. Donc. Et tu veux dire que là. C'est le roteur en fait. Sauf que spoiler, il a pas roté. Et du coup, force improbable, ce serait le jongleur. Et là, le ventriloque. Ok. Ok, ok. Donc lui, on sait que c'est... elle, c'est la ballerine. Lui, c'est le jongleur, le musicien, le magicien, machin. Donc lui, c'est le... lui c'est le roteur qui n'a pas roté. Il fait un spectacle de claquettes. Avec Monsieur Vlad. Et Monsieur Vlad c'est la petite mascotte. Non. C'est ça. Ok, donc maintenant trouver les noms. À un moment il y a lui qui dit Vilmar. Donc qui est Vilmar? On sait que le cam c'est ça. Quelqu'un a volé ma canette de soda. Donc, vu que c'est lui le roteur, on lui a volé. Atav l'a rapporté à la loyale si vous n'êtes pas contente. D'accord, donc le premier c'est Artav. Qui est le premier? C'est le roteur. Donc le mec il s'auto... Et qui dit Artav l'a emporté à l'eau, elle Artav est si bon. Si hein.
Moi, je pense que c'est lui, Vilmar, parce qu'il lui fait psst, Vilmar, hé, Vilmar, Vilmar. Pour moi, c'est lui, Vilmar. Quoi le surnom déjà qu'il y a Bellatre. Ouais. Moi, Vilmar, c'est lui. Je lui demande, hé, piste, hé. Moi, Vilmar Prado, c'est forcément lui. Quand on regarde l'ordre après, donc on a en premier Hilok, après Nola Rockow, voilà les gagnants à la fin, du coup tout le monde rage. De toute façon, c'est forcément Jenna est mort, donc en tout cas c'est forcément, en fait si c'est Jimmy Albright, Vagina et Nola Rockwood, ça fait très féminin, c'est à dire que lui c'est Jimmy Albright. Peut-être que lui il est en mode épiste. Du coup, ce serait peut-être lui, Vilmar. Je sais pas les noms des... Des couteaux, bah, il y a que le jongleur qui utilise des couteaux, donc c'est bien Jamie. C'est bien Jamie Albright. Donc si c'est Jamie Albright, c'est-à-dire que c'est Nola Rockwood, la magicienne, et donc Regina Littlemore. Fuck. Fuck. Ou si c'est Vilmar Prado. Non, pas du tout, c'est bien Jimmy Albright. Ah. D'abord un disque rayé, puis après machin. Improvisé. Bon, c'est peut-être lui, Vilmar, finalement. Donc si c'est lui, Vilmar. D'abord. Par sa vraie vie. Jamie aurait voulu aider tes occupants sur le plus de ses des couteaux. Et lui dit qu'il a un lapin. Et sachant qu'on sait que le lapin est arrivé au niveau du jongleur, c'est que Jimmy est le jongleur.
sait que Jamie Albright. Jamie Albright est le jongleur. Jamie Albright est le jongleur. Sachant qu'on sait que Cameron Flake est forcément le premier participant. Qu'en plus, elle est passée en premier. C'est le ventriloque. Bon, ça a été dit. Cam, c'est fragile et en plus hop il pousse et tout ça. Donc ouais, donc c'est vraiment Cam, hein, je pense lui. Cameron Flake. C'est pas ça en premier. Sachant qu'en troisième il y a Albright, donc forcément Nola Rockwood c'est la magicienne. Hop. Donc il nous reste 4ème, 5ème, 6ème. On regarde les prénoms. C'est que la ballerine, c'est Regina. Qu'est-ce qu'il pourrait nous prouver? Et le musicien. Voir. Ah. On sait que Artav a gagné. C'est-à-dire que Artav est forcément le roteur. Mais sachant qu'on sait que lui c'est le musicien. Elle. Le blues du loup hurlant. Il est marqué le loup. C'est vraiment lui. On sait que elle. Après il a gagné. Hein. C'est bien lui le présentateur. Hein. Alors, voilà, bah oui, mais oui, c'est ça en fait. C'est, j'avais raison depuis le début. Dante Longo, c'est bien lui. Et le roteur, c'est lui. Donc, je me disais, il va pas d'eau. Regina Little Bar. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai inversé, mais bon, tant pis. Ok. Au concours de talent. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au concours de talent? Un truc qui est ouais, en rayant son il était mordu. Putain, c'est lui, il l'a ri avec les dents du lapin. Il a fait. Il a pris le lapin, il a fait. C'est le cas, c'est incroyable. Le mec, il a pris le lapin, il a fait. Ça lui apprendra. Ouais, oh putain. S'il a vraiment fait ça, c'est un fou furieux. C'est incroyable. Du coup. Vilmar Prado, à la mode de l'ancienne gagnante. Regina Littlemore. En rayon sans doute qu'elle avec l'aide de.
Monsieur Vlad? Non. Non, je voulais le lapin. Oh non, ça aurait été marrant. En tout cas, il a fait un truc avec le lapin. Donc quelqu'un a truqué le lapin pendant ce temps. Dans la cage, il y a quoi? Cage vide. Ouais. Ah. Après l'émission. Voilà. Partable, vas-y. Et du coup, Regina est mort. Ah. Attaqué à 90% que cette personne avait truqué la compétition. C'est ce qu'on pense, hein. Que cette personne avait truqué, ok. Ah, volé. Donc libérer, je pense à libérer les bibelles pour se venger. La compétition, ça a pas de sens, mais bref, pour se venger, la magicienne. Voilà, Rockwow. Ah. Dans la compétition. Ah non, attends. Ouais, ah ouais, non mais c'est des fous furieux. Dans la trompette. The point. Le seul qui a fait ça, c'est le musicien. Vilmar Prado. Vilmar Prado a libéré Lilibelle de sa cage pour saboter le numéro de Nola Rockwow. Venger, Nola Rockwow a versé une canne de soya dans la trompette. Après l'émission, les gens ont attaqué l'honneur pensant que cette personne avait truqué la compétition. Au concours de talent, l'honneur a truqué le numéro d'une ancienne gagnante, Regina Littlemore, en rayant son disque à l'aide de... En vrai, c'est Monsieur Vlad. Elle a utilisé les dents de Monsieur Vlad. Pas des dents. Un petit bout noir? Non, mais l'envoi d'un. Je pense que c'est ça, hein. Dans le flake. Hein. Ok.
Ok, pendant ce temps. Rot, lui, il a voulu saboter le numéro du jongleur. Jimmy Albright. Mais pourquoi il n'y avait plus le lapin? Alors, pour saboter, c'est vrai que si je dis pas le bon verbe, c'est dommage. On va remettre... On va remettre nos larcoudes. Ok. À verser, ouais. Quête de ce gars de rattraper. Ouais. Regina Littlemore a attaqué Martha Vredi. On va réécouter ce qu'ils disent les gens. Planche pas pour autant. Toi, t'as une petite mention d'avoir la trompette qui est toute collante. Ça fait pas semblant de se regâcher, il avait annoncé être un roteur. Lui, elle a... Voilà. La preuve, c'est qu'il n'y a plus de 4 de coca. C'est elle qui a versé et il manque la moitié. Un numéro trop tard. Putain, je vais... J'aide encore plus. Non, le disque avec Monsieur Lot, pour moi, c'est cohérent, hein, les dents acérées et tout ça. En plus, de toute façon, on voit que ça fait deux traits, donc... enrayant, parce que enrayer, ça n'existe pas. On va... Voler, voler, volant. Enrayer. Enrayant. Saboter, saboter. Ça. Délibéré, voilà. Ça, on voit mieux là. Au concours de talent, Cameron Flake a truqué le numéro d'une ancienne Liga des Hortes, Regina Littlemore. De toute façon, l'ancienne Liga des Hortes, il n'y a que Regina Littlemore. On sait que c'est la ballerine. Et comment savoir qui a cassé, on va voir plus tard. Ouais, truqué, saboté. C'est un mauvais terme. Voilà. D'accord, j'ai utilisé le mauvais terme. Sauter le monde en rayant son disque à l'aide de Monsieur Flat. Ok. On va attendre deux trucs. Lily Bell de sa cage pour saboter. Le numéro de notre info. Venger. Non, la repro a versé. Et de sourire dans la trompe. Après l'élection, Régien Littlemore a attaqué. Pensant que 7 personnes avaient truqué la compétition.
Peut-être qu'elle pense que c'est le présentateur qui a truqué. Ouais, ok. Je me suis dit, vu qu'elle était partie, il était parti derrière, c'était peut-être lui qui était attaqué. Mais c'est vrai qu'il cache sa main, donc peut-être qu'il l'a frappé. Il l'a frappé à l'œil. Ok. Ah oui, mais celui qui s'est caché, c'est le présentateur. Putain, j'ai inversé, je suis con, putain. Bon. Vous avez compris, en raison de leur relation passée, Vilmar a décidé de gâcher le numéro de magie de son ancienne petite amie Nola. En laissant s'échapper le lapin de sa cage, putain, quel connard. Pour se venger, Nola a volé la canne de soda d'Artav et l'a versé dans la trompette de Vilmar. Puisqu'Artav ne pouvait plus rôter sans son soda, il a changé de numéro en chorégraphant qui a, étonnamment, remporté la victoire. Chad. La fonction des réglages de temps dans l'appareil se nomme par JN. Ralentir. Le bouton en forme de donut, arrondir à une minute. Ou un jour. Trois jours en gros. Dites simplement à moi. Il était aussi précis, Jack, par ailleurs, n'avait toujours pas proposé de nom. Arrêtez de traîner et occupez-vous-en. D'accord. Inutile, ouais. C'est vrai que lui et Bill, ils ont fait des choses. Et là, en termes de temps, qu'est-ce qu'ils disent? De donuts, c'est que lui. Hein. Ah ouais, je sais pas, peut-être qu'après, il y aura un autre truc avec un cercle, mais... Lui, c'est souvenir. On verra. Oh! Pleine émission. Let's go. Danse pion. Le numéro vainqueur d'Artav. Let's go. Ah! Ça a l'air d'être petit, 7 mots pour cet endroit. Là, on est. Quelqu'un regarde bien l'émission. Putain, quelle chorégraphie! Quel homme! Oh, tu es si beau! Ok. Elle on se souvient, c'est. Les événements, ok. Je sais que ce que je vois, mon oncle, comment cet imbécile d'étranger a-t-il appris une danse pion antique? Il faut des mois pour en apprendre une. Ok, oh là là là, ça va être quelque chose. Oh là là, on va pouvoir sa choré. Oh, on découvre la choré. Ok, j'ai juste les annotations. Alors là, ça veut juste dire. Ok, ça dit juste les trucs. Rien. Ouais, on va être comme ça. Les objets et créatures, d'accord. On va séparer. Nourriture, porte. Porte et porte, ok. Et machine, araignée. Imbécile. Porte. Nourriture. Porte. Clé. Machine.
Araignée. Araignée. Imbécile, imbécile. Interdite. Et vampire, et vampire. Ok. Les actions. Rire. Et. Yeah. Et voler. Les danses pions, le contraire des mots communs est exprimé en inversant le mouvement. Alors si on fait, si on croise les bras Wakanda et qu'on fait T-pose, on donne. Si on fait T-pose et qu'on croise les bras, on vole. Donc, fermé, on fait ça. Donc, ouvert. Ça veut dire que tu penses les bras et tu ouvres. Out push. Tac, tac, construire, déconstruire, ok. En limite antique, les philosophes pensent que les diverses parties du corps abriteraient différents traits de caractère. Les danses purent en fait cette croyance. Donc nous avons la connaissance, obéissance, malveillance, force, curiosité. Position d'une main lorsqu'elle est dirigée vers la partie corps faisait référence à ce trait de caractère. Posture du bas de corps, l'un des aspects les plus curieux de la danse pion lémuroise est peut-être la manière dont la relation entre certains mouvements du bas et du haut du corps détermine la grammaire. Ceci ouvre la voie à de nombreuses possibilités intéressantes. En posture, sur un pied indique la forme de pluriel d'un mot, exemple livre devient lire. Ok, donc c'est sur un pied. C'est le pluriel. Par contre, si tu es assis avec les jambes croisées, ça devient le livre. Ok. On va mettre là. Ok, bah, go commencer. Mustamati Daisa était choqué de voir Arta Vredi réaliser une danse pion lémuroise antique. Cette chorégraphie constituait une tournure de phrase pouvant être interprétée comme. Parce que déjà, il a croisé une seule fois. Vraiment Wakanda point 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 déjà le il a jamais croisé là. Il commence par montrer ses yeux. Il montre ses yeux. Dieu, c'est la connaissance. La connaissance. Ouvre. Ouvre. Putain, c'est compliqué. Laquelle il est en train de dab? Ça, c'est la connaissance ouvre. Oui, dab. Il est sur un pied, donc c'est le pluriel.
écrit. Ok. Ouah. Putain, mais c'est quelque chose, hein. Donc se méfier, il faut se méfier de ces... Il montre le ventre de ces malfaisants. En plus, il est sur un pied, en plus, on fait ça à peu près. Et là, il est sur un pied, donc c'est au pluriel aussi. Ces malfaisants. Ces malfaisants. Ouais, il y a le vocabulaire, je suis con, putain. Mais des... Oh mon dieu. Des clés. En fait, il faut s'imaginer aussi de le voir de face, ce bâtard. Des clés. Peut-être que le Wakanda... J'ai déjà vu le Wakanda, c'est où? Voilà, il faut donc... Il faut donc... voler. Il vole des clés. De ces malfaisants. Chose qui cache l'œil. C'est que ça. Qu'est-ce qu'il cache avec l'œil? Ah, c'est de ces imbéciles. Attends, la connaissance ouvre. Alors, la connaissance ouvre. Et... Ça semble interdit, ça. Pourquoi j'ai dit cri? Ouais, donc ça c'est interdit, ça. La connaissance ouvre les interdits de cri. Il faut se méfier de ces enfants qui volent des clés. Il faut se méfier. Dans le corps, sur un pied, donc c'est plusieurs personnes. Et là, il montre bien de ces malfaisants. Exactement. Il a sa main devant ses yeux. Pas nourriture.
sais pas c'est quel mot il utilise. Mais c'est incroyable. La nourriture ou araignée qui est mal fait. Moi, c'est imbécile, hein. Ah oui, mais c'est que moi je le voyais de dos, mais il est de face. Non, mais c'est imbécile. Oh putain, c'est vrai que j'ai deux erreurs. J'ai trois erreurs. Vol, c'est sûr. Clé, c'est sûr. Sur ses clés, ça s'est volé parce qu'il est en mode hop, on prend pour moi. Je pense que c'est imbécile. Déjà, c'est au pluriel, mais après, on voit bien qu'il. Ouais, il cache son visage, donc ça va être imbécile. Et là, on sait que comme ça, c'était plusieurs et il montrait avec les deux doigts son bidou. Et son bidou, c'est la malveillance. Alors, il montre ses forces s'il vole des clés. Et pourquoi il faudrait se méfier des forces? Et là, il est en mode ouah ouah. Il est en mode check out parce que c'est se méfier. Il faut se méfier de ces imbéciles qui volent les clés. En fait, si on reprend, les yeux, c'est la connaissance. La connaissance. Ouh. Ouh. Ouvre. Il peut pas avoir de l'eau vu qu'on n'a pas les trucs donc. C'est vraiment interdite. Ça c'est gros hein, c'est interdit hein. Ouais, il faut se méfier des malfaisants imbéciles qui volent des clés. La connaissance ouvre, ça c'est sûr. Pour moi c'est interdit. Ah mais c'est en anglais, c'est peut-être interdit de quelque chose. Là c'est quelque chose. Au pluriel. Ah, les portes, putain. Mais moi, je... Ouais, ok. Les portes sont interdites. La connaissance ouvre les portes interdites. Il faut se méfier de ces malfaisants. Il faut se méfier. Malfaisants, c'est sûr. Vol. C'est bon, oui, on ferme. Oui, parce qu'on part du truc et on ouvre. Et fermer, c'est tac, tac. Donc on part des deux bras comme ça, c'est fermé.
collègue fait ça. Oups. Donc il ouvre. C'est bien la connaissance vu que c'est. Il est pas sur un pied. Et il cible ses yeux. C'est bien la connaissance qui ouvre. Les quoi? Là donc on a dit les portes et ça a validé. Les portes. Enfin les interdites. Doors. Là je pense que c'est dû au fait que ce soit en anglais. Latin doors. Il faut se méfier de ces malfaisants parce qu'ils montent le bidou. Des imbéciles malfaisants. C'est aussi une inversion en anglais français. Ah. Ah là, c'est dommage que la barrière de la langue fasse défaut. Beauté la scène. Mouma Hadid da Silva a reconnu les mouvements distinctifs des danses pions libéroises d'après le livre de son oncle. Et le fait qu'Artaf ait connaissance de cette tradition ancestrale l'a laissé perplexe. Contient des informations inutiles. Contient les souvenirs du sujet 37. Ça, c'est des data centers. Pas plus utile. Ok. Tragédie au sommet. Oula! Terrible. Oh, ça va être terrible. Tu peux voir? 39 mots pour 48 endroits? Ok. Par la gauche, hein. Oh mon dieu. Donc, on a les Wintertop, les Sawyer, les Akaka et les Olza. Non, on a les Wright et Eden, Bird, Knox, Holmes. Donc là c'est B, là c'est A. Ok, attends. Opportunité, rémunération des participants à cette étude commencera le lundi 20, rémunération en liquide le jour même. Pour espère. Non harcèlement, si vous comptez être un descendant comme Cheyenne, fermez au moins vos volets. Donc Cheyenne, hop. J'ai commandé un colis que je n'ai toujours pas reçu. S'il était livré à une autre adresse par accident, merci de m'en informer. Spencer, appartement 4B. Et 4B, c'est Wright et Stenson. Donc, Spencer, c'est soit Spencer Wright, soit Spencer Stenson. Merci à tous ceux qui ont participé à la sortie pique-nique. Oh là, il y a un petit bobo là. Désolé qu'on n'a pas pu être tout présent, mon fils et moi, Isa. Ok. Ok, donc hop, il y a le celui qui a pris en photo. Oh, il est un peu tard, je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de préparer un repas élaboré. C'est vraiment un bel appartement, je suis si jalouse que vous vivez ici près du rez-de-chaussée, toi et Lavona. Près du rez-de-chaussée, toi et Lavona. En plus, fort. Ok, donc
Toi et Lavona. Lavona est là en bas. Donc soit Lavona Olza ou Lavona Holmes. Protéger et défendre le credo des agents de sécurité. Trop fier. Be proud. Attention. Donc c'est où, il est peut-être déjà trop tard. D'accord. Kay ne veut pas de sortir les poubelles mardi soir, que je ne te prenne pas à lambiner cette fois. Hop. Hey, donc c'est au niveau 2. Okay. Potentiellement, lui c'est Kai. Lui qui a sorti pour eux. Oulala. Il est mort. C'est pas un secret, le monde se portera sur moi. Adieu. Ah. Des enregistrements. Il y a aussi un collier. De toute façon, là, on a deux colliers. Et tout en bas. Pour. Il y a deux. Ok, on aura un troisième collier parce qu'il y a trois coups. Trois numéros qui ont été pris. Hop, ici. Tac, 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 j'avais pas vu là. Nouille du restaurant. Voilà, et en plus, c'est ce qu'il a acheté là. On voit qu'il y a des. Bon. Voiture pour chat Minou Minou. Livré à Spencer Wright. Ok. Space and right. Appartement 4B. C'est pour le chat. Minou 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 minou. Du coup 4B c'est tout en haut. Donc on saura s'il y a un chat ici ou s'il y a un chat là. Message le 21 septembre à 18h. Vous avez oublié l'accord qu'on a passé à la sortie pique-nique. Où est-ce que je dois monter pour vous le rappeler? Oh monsieur, je vous appelle de la fourrière de Fremont. Nous souhaitons juste vous informer que nous confisquons pas les animaux domestiques des gens. Même si vous êtes un propriétaire immobilier. Merci, au revoir. Ah oh, putain. Il a volé le chat. Miaou. Yahoo, c'est mon chat maintenant. Ouf. L'enfant roi. Oh. Non, je veux jouer. J'ai bouffé tes spaghettis, connard. Enfin bref. T'as vu ce grand boom il y a 30 minutes, ma puce. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer dehors et Monsieur Sawyer va arriver d'une minute à l'autre. Monsieur Sawyer. Inspection de votre mort aura lieu mardi à 19h20. Nettoyez les bêtises de votre morveuse si vous ne voulez pas éviter l'expulsion SS. Et donc je pense qu'on est vraiment dans le bon truc, dans le bon sens. Patience, patience, patience. Alors il dit patience, mais je vais le mettre là et après Ernest. Un prénom sans doute. Abat les tâches. Idéal pour le sang, l'herbe et les autres tâches tenaces. Ici Marie Wisk de l'OPJ. Nous avons bien reçu votre appel. Je suis navré, Mademoiselle Colmes.
mais nous n'aurons pas divulgué l'identité des autres participants à notre étude. Bonne journée. Oh là là. Il craint pour sa vie. Est-ce que c'est mis en application? Pourquoi si j'ai photo examiné le hall d'entrée puisqu'elle est obligée, ai-je perdu la tête probablement à qui sous cette groupe de souvenirs? Un pique-nique. J'entends deux semaines que je sens en place, c'est horrible. Je me suis dit qu'écrire dans mon journal pour évacuer mon stress ne fera pas de mal, mais je n'ai rien à dire aujourd'hui. C'est tellement frustrant, personne ne veut m'embaucher parce que je suis une femme. Je me sens dans l'appartement d'une femme. L'homme qui me faisait passer un entretien aujourd'hui m'a dit que je devrais chercher un mari et non un travail. Et dites-moi, monsieur, comment suis-je payé le loyer? Sony l'augmente presque tous les mois, donc c'est Sony Sawyer. Ok, donc j'ai même pas son prénom pris, dommage. Bon, c'est Sony Sawyer. Donc presque tous les mois, j'accepterai n'importe quel travail, enfin presque. Constance m'a proposé de payer pour faire du babysitting, mais je déteste sa gamine. Ouais, Constance Winthrop. Constance. Hop. Hop. D'ailleurs. Et Ah, c'est... Ouais, l'Onava. Putain, le spray poivre. Et l'Onava. Pose là. C'est fini ici. Hop. 20 septembre, ma recherche continue. Je me suis inscrit à une étude aujourd'hui pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Bizarrement, je n'ai pas eu à prendre de médicaments. Ils m'ont simplement fait assise dans un appareil muni d'un cristal. Et l'expérience étrange, mais au moins ils m'ont payé d'avance. J'espère que les effets secondaires étranges disparaîtront après une bonne nuit de sommeil. Mardi 21 septembre. Je crois que je deviens folle, des bribes de souvenirs qui ne m'appartiennent pas tombent dans ma tête. Je me souviens de détails au sujet de la sortie. Au sujet de la sortie pique-nique de la résidence auquel je n'ai pas assisté. Je me souviens qu'on m'a menacé avec une arme. Je me souviens que j'étais terrifié. Mais rien de tout ça m'est réellement arrivé. En tout cas, pas à moi. Est-ce que je suis folle ou est-ce que mes souvenirs appartiennent à quelqu'un d'autre? Une vie pourrait être en jeu, je dois démêler tout ça, ce n'est pas comme si j'avais mieux à faire. Alors. Hypnox. Vite, maman peut revenir d'une minute à l'autre. J'ai hâte de trouver cette cachette comment? Maman et Jane. Donc. Jay. Knox. Ok. Alors ça doit être Kenneth et la Nova Ozola. Kenneth. Tony Sawyer. Regarde. Elle est à son pique-nique sauf si Tony y va. Tony y est allé, il lui est pas. 9h église, travail, installer une nouvelle machine à coudre, soirée, jeu avec le 4B à 17h et à 19h partir tôt pour rendez-vous avec Kenneth. Kenneth, beau m'a rencontré, est-ce que tu avais senti le comportement de tu sais qui a eu l'air de s'améliorer pendant quelques jours, mais depuis il est revenu fidèle lui-même, je ne pense pas que ça réglera à nouveau le problème, que tu le menaces à nouveau. De toute façon, je n'ai pas besoin que tu me protèges. C'est vrai qu'à l'avenir, je pense être capable de régler mes soucis à moi-même. Peut-être une autre fois. Beau. Qui sait? On parlait à être atelier de discussion difficile.
Ça, c'est la soirée jeu. Et il y a le chat. Pour voir c'est qui le propriétaire du chat. Version du chat où je vous expulse. Il a volé les croquettes du chat. Ça, je trouve ça incroyable. C'est une menace en l'air. Aucun doute là-dessus. J'ai vu ce qui s'est passé à la sortie pique-nique. On a plus de soucis sur lui. Putain, elle a volé une carte. L'assurance, comment être sûr? Et puis comment ce n'est est-il su pour Darcy? Darcy. Ok. Là, c'est maman. Eh bien, Sabrina, tu t'es fait jeter où t'as où? Puis tu as oublié, tu avais caché la colère, hein? Quelle sale semaine. Quelle c'est Sabrina? Non. Alors, j'ai tous les trucs, on va déjà. Là, on sait pas. Là, on sait pas. Non, c'est pas. Et ça, on sait pas. Par contre, Winthrop Constance. On a. C'est le bébé. On a le prénom du mec à la poubelle. Et vu que la poubelle. C'est. Ici. Oh là là là. Donc. Donc, Kai. Nakana. Sawyer Sony, ça c'est sûr. Et Nakana, Sawyer Sony. Et Kenneth Ozola. Ensuite. Donc elle se nomme Sabrina Knox. Et Sabrina Knox. Holmes, Bird. Fitzers. Donc soit Wright, soit Thyssen. Et Lanova, Cheyenne, Ta, Ernest, Darcy. Patience. Oh. Je pense que. Lui, il a un couteau. En mode patience, patience, patience. Genre. Dans le truc de Greg Guillotin avec Tiffen, Tiffen, Tiffen. Lui, il s'appelle Ernest. Oui, c'est Ernest. Et je pense que c'est Ernest. Wizard. Et vu qu'il est en train de dire tous les prénoms du monde, je pense juste que sa gamine est en mode. Voilà, il était sur le réhausseur, ça a renversé, c'est tombé, tout ça, sauce pizza, enfin sauce spaghetti, tout ça. Je pense que patience est le mot du dernier gosse. Voilà. Donc il nous reste ceci. Cheyenne, Issa, Bo, Darcy, Lanova. Et Wright, je sais plus si... on sait que c'est un des deux, mais on sait pas qui exactement. Hmm.
J'en ai ouvert vos volets, donc Cheyenne. On a vu qu'il y a une machine à coudre. C'est elle Cheyenne, c'est Cheyenne Bird. Là on sait qu'il y a une femme. On va juste commencer à placer les résidents avec les noms qu'on a. Donc là il y a le bébé Agugaga. Hop. Pense. Nest. Là, Sony. Là, il y a Take. Kana. Hop, elle, elle vit ici. Les Knox. Holmes, on sait pas qui c'est. 1, 2, 3, 4, 5. Et bien sûr, Kenneth, fils. Par contre, il vit tout seul. Elle, en fait, ce qu'elle dit, c'est toi et Lavona. Donc, en fait, celle qui s'appelle Lanova, qui est la fille qui est ici, s'appelle Lanova. Et du coup, c'est Lavona Colmes. Ok. Voilà, celui qui fille qui reste, ça va être elle. Donc. Lavona Colmes. Ok, n'oublie pas de servir Watson, je ne crains pas à lambiner ce soir. Voilà. Et là du coup il y a ça et ça et ça et ça. Ok. Et du coup je pense qu'en fait lui il caille. Hop. Faudra voir avec les prénoms. Le bambiné, et du coup, on est 17h, donc on est assez tard. On est le soir. Et oui, de toute façon, il y a le rendez-vous, donc oui, on est 7h, et du coup, bah voilà. Eux, ils sont. Ouais. Il est où le. Chain. Ok. Darcy. Mais qu'est-ce qui me manque là? Issa, Beau et Darcy. Vu qu'ils se parlent entre eux. Moi, Darcy, il manque que lui, quoi. Bon, il a su pour Darcy. Non, pardon, c'est faux, totalement faux. Parce qu'il y en a un des deux. Et qui c'est? C'est Spencer Wright. Mais attends, attends. Là, ils disent. Wright is 17. Et là ils disent Spencer Wright. Oui, Wright is 17. Ok, c'est bon. Donc, comment c'est testé? Lui il est en mode boubou et tout ça. Alors il faut que je retrouve c'est quoi les autres noms.
Chat. Ok. Oui, c'est bien. Et... Hop. Hop. Ok. Il y a d'autres choses. Hop. Hop. Il y avait des informations ici. Mon fils et moi. Je pense qu'il s'appelle Issa. Je pense que... C'est Issa Natekana. Maintenant il reste Darcy et Beau. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8. Comment j'ai pu avoir Beau et Darcy? Quand ça se fait que j'en ai deux? Donc sûr c'est Lavona Combs. Ouais. Je vois où est-ce que j'ai appris Darcy et tout ça. Là, c'est plutôt la recherche des où est-ce que j'ai trouvé les informations. Ça on sait pas. Ah. Ok, il ne l'entend pas. La tour est là-bas. Où est-ce que j'ai trouvé tous ces... Ah, ici? Non. Est-ce que j'ai vu Beau et machin? Beau m'a raconté. Darcy. Lui qui se parle, pour moi, c'est Darcy, quelqu'un d'autre. C'est moi, c'est Beau Stinson et Spencer Wright. Non, comment savoir c'est qui quel chat? Comment savoir qui est qui? Je pense que c'est lui Beau. Beau Stinson, Spencer. Ouais. C'est tout correct donc, Darcy. Inconnu au bataillon. Pas présent. Okay. Cette photo a été prise par... Hop. Par Kenneth. Pose là. Photo 2. Cayenne Bird. Alors le...
Un petit... Ouais. L'air du pique-nique, c'était là. Bien avant. Donc là nous sommes mardi. Et sachant que le pique-nique... Enfin que là l'étude c'est le lundi 20. Le pique-nique c'est sans doute antérieur. Donc on est mardi 21 là. Ouais. Tac tac tac. À participer à un pique-nique. Samedi, donc ça a l'air d'être un samedi que ça a été fait. Je pense que c'est le... Je vais trouver un appareil photo. Je pense que c'est le vieux fou. Hein. Il y a un Polaroid. C'est le vieux fou. Hein. Sonny Sawyer. Des jours avant. Du harcèlement, bam. Comment faire? Qui a été peut-être prise en photo, c'est-à-dire que ça a été prise aujourd'hui. Sachant qu'elle a dit que... Attends. Là, installer mon jeune machine, donc c'est vrai qu'elle l'a installé, donc c'est le jour même. C'est bien ce mardi, ça a été fait plus tard. Et le mec est en mode, oh putain, il est peut-être déjà trop tard, parce que le mec, il a eu peur. C'est ça. Ça me dit. Alors... Kenneth Ozola a menacé de tuer Sonny Sawyer. Devant ce lundi. A oublié.
Ok. Ok, ok, ok. Je pense que Sony Sawyer a participé. Hein. Et oui, ça suffit après les études. Et celle qui a participé aussi, c'est notre chère Lavona Colmes. Il a reçu une semaine de l'appartement. Le mardi matin. Ah. A pris une photo. Neil Sawyer a pris une photo de Cheyenne Bird. Celui qui a poussé Janet Ozola. A tiré sur Sonny Sawyer pour le bien de tous les résidents. Ah. Ah, c'est un mot du coup qui est faux. Ah, si je fais Stinson. Non, c'est bien là-bas. Ah. Ok. Kenneth Ozola. C'est bien ça, hein. Kenneth Ozola. Kenneth Ozola a menacé de tuer Sonny Sawyer. Cependant, comme lundi, Sonny Sawyer a oublié cette sortie de pique-nique après avoir participé à une étude. Le mardi matin, Sonny Sawyer a pris une photo de Shane Bird, celui qui a poussé Kenneth Ozola à tirer sur son sourire. Ouais, c'est lui qui était là, donc il a su, ouais. C'est ça qui aidait. Lors d'une menace. A oublié à menacer, c'est bon. A jeté au bout, c'est bon. A jeté à reçu, c'est bon. A oublié à pris, c'est bon. Cette menace, putain. Ok. Donc moi, il a sorti, du coup, il a oublié la menace. Bah oui. Ça a du sens, non? Très bien. D'accord. Du boss. Tony Sawyer, le propriétaire mesquin de la résidence de la tour d'Esper, aimait mener la vie dure à ses résidents. Lors d'une sortie pique-nique, Kenneth Ozola l'a menacé de recourir à la violence et Sonny s'est incliné. Cependant, l'étude OPJ a retiré le souvenir de la menace de Kenneth de la mémoire de Sonny. N'étant plus effrayé, Sonny a pris une photo indiscrète de Chen Bird avec laquelle Kenneth espérait nouer une relation amoureuse. C'était la goutte de trop qui a fait déborder l'océan. Lavona a reçu le souvenir de Sonny Sawyer, mais ce n'est pas arrivé à temps pour le sauver de la vengeance de Kenneth. Groupe B, numéro des sujets, âge, sexe, cheveux, taille, absent, absent, autorisation parentale obtenue, absent, rendez-vous de suivi. D'accord, ok.
chef de projet. Maintenant que les tests sont terminés, nous devons passer à l'étape importante, baptiser l'appareil. Je propose qu'on lui donne un nom incroyable pour que la direction qu'on prenne, qu'on s'apprête à changer le monde. Perpétuité ne leur donnait pas de faux espoirs aux gènes. Fondamentalement, c'est un instrument didactique. Didactique optique numéro 1. Va pour e-idol alors. Un instrument didactique optique numéro 1. Ça a pas de sens, le terme didactique. Ok. On va voyager rapidement en résidence. Voilà. Donc elle a reçu des souvenirs. Donc du coup, on lui a donné, tac, voilà. Bon, on lui a... Donc ça, c'est bien souvenir. On lui a donné, et ça c'est prendre, des souvenirs. Sachant qu'on est mardi... Donc là, le truc... Et que c'était un... C'était un samedi. C'est le lundi. Donc c'est-à-dire qu'il y a environ 3 jours. Moi, c'est celui-là. Je m'en prie. Un certain temps. Bon, après, je peux faire comme ça. Moi, c'est simple. Moi, je sais comment dire un jour. Le mec a été formé. Sauf que. Quel con, il a marché sur les œufs. Pourquoi? C'est parce qu'il a oublié qu'il fallait pas marcher sur les œufs. D'accord. On lui a pris. Une journée. Si un carré c'est un jour, c'est-à-dire que là on a 4 jours. Seigneur du sujet 37. Moi le sujet 37 qui a perdu un jour, c'est lui. Et elle aussi elle a eu un jour. J'ai 36. Ok. Oh, il est surtout mort, hein, malheureusement. Le souvenir de sa mère. Quarante et un et quarante-trois. Inutile. C'était une minute. Quoi déjà les symboles? Là c'est un mois et ça c'est 3 jours. Après on sait que
Hop, hop. Nomme gris qui est absent parce que normal il est mort. Et l'autre 39 et 40. Après le carré, je pense que le carré, le seul, c'est... Donc on va aller ici. C'est notre cher... Voilà. Lui, il a reçu 3 mois de souvenirs. Lui, il a reçu... Reçu 3 mois de souvenirs. Ça ressemble à la danse, hein. Tu connais le Kung Fu? Pardon. Tu connais le Belge? Du coup, ce serait lequel? Quelqu'un qui a pu revenir. Un homme. Oh, je crois. Le noir. Pom-pom. Non. 35, ouais, ça a l'air de lui, hein. Ah, flûte. Ouais, c'est 38, j'ai le seum. Ok. C'est le piaf qu'elle lui a donné. Est-ce que... On a vu ces deux personnes... Celle-ci aussi. On a vu quelqu'un d'autre avec eux. Attends, mais pourquoi j'ai 43? 42, je me suis trompé. Du coup, c'est pas 38, c'est bien 35. Voilà. Misclick. Bah good. Voulez-vous battre? Très bien, pointure. Envoyez tout ce que vous avez. Oh! C'est tout, vous êtes pathétique. Eh bien, regardez ce qui se promène. Un problème? Chasseur? Oulol. L'apogée. Eh bien, l'apogée sera dans le prochain épisode. Allez. À toutes pour la fin.